Cette chaufferie, c'est la deuxième que nous construisons à Voreppe, puisque la première a été mise en service en 2015. Et l'extension du réseau existant n'était pas possible par rapport à des problèmes de franchissement et de distance. Donc c'est pourquoi nous avons décidé de créer un second réseau. Alors ici, parce que nous avions la piscine juste à côté et que la piscine pouvait offrir la puissance en termes de gaz, en termes de secours. Et donc c'était intéressant de coupler les deux. La chaufferie est installée donc sur la partie nord de la commune. Donc c'est un réseau de 1000 mètres qui dessert un EHPAD, la piscine, l'école de Debel et un potentiel d'une centaine de logements, dont pas mal de logements privés. Donc elle est équipée d'une chaudière bois de 500 kW et de panneaux solaires d'environ 175 mètres carrés. Au moment de l'appel d'offres, nous avons donc choisi de proposer une solution alternative et de compléter la production de chaleur à partir de biomasse par une production à partir de panneaux solaires thermiques implantés entre la future chaufferie et la piscine des bannières. La capacité de production des panneaux solaires représente 6% de la production totale moyenne annuelle, ce qui est une première en région Auvergne-Rhône-Alpes. Déjà, on voulait quelqu'un qui ait l'habitude de faire des réseaux de chaleur dans des conditions un peu difficiles. L'expérience de CHM à construire des réseaux de chaleur en montagne nous a incités à voir un peu quels étaient leurs potentiels. CHM, dans la consultation, est la société qui a présenté la meilleure offre, à la fois bien sûr sur le plan financier, mais aussi sur le plan technique et sur le plan environnemental. Et la particularité de CHM et de sa proposition était qu'on avait quand même une part de chauffage solaire extrêmement importante, et c'est très nettement ce qui a fait la différence dans notre choix. Aujourd'hui, on travaille avec le CHM depuis 2 ans, depuis la conception de ce projet jusqu'à la mise en route qui s'est faite au mois de juin. Ce partenariat, pour le moment, est excellent. On communique raisonnablement, les réponses à nos questions sont apportées. On est quand même sur des équipements très spécifiques, à la limite que nous, on pratiquait peu ou pas du tout il y a quelques années encore. Et c'est vrai qu'ils sont très techniques, donc on a besoin de compétences techniques de la part de notre partenaire, ce qui a été le cas en la matière, mais aussi d'efficacité et de compétences d'une manière générale. Et je crois que c'est des qualités qu'on a trouvées chez CHM et qui ont permis aujourd'hui que ce projet réponde à nos attentes et au cahier des charges.